Alain Turban, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les studios de Télé Monte Carlo. Après On s'écrivait à Nice, un nouveau succès, Mystique. Oui, j'espère, bien sûr. Oui. Tu l'espères. On est tous avec toi. Alors, je vais te poser quelques petites questions, comme on fait avec nos invités. J'aimerais savoir ton prénom. Alain. Ton nom. Turban. Et ton âge aujourd'hui même. Je vais avoir 38 ans. Oh, ta chanson préférée dans tes compositions. J'aimais beaucoup Quatrième Dimension, mais je pense que c'est Mystique et celle qui va venir après Mystique. D'accord. Ta chanson préférée chez les autres. Ah, j'aime beaucoup Jonas, j'aime beaucoup la boîte à jazz, voilà. La boîte de jazz avec les blacks qui swing terrible. Ça swing. Ton héros de BD favori. J'en suis resté à Tintin, moi. Avec Milou ou sans Milou? J'aime bien les Belges. Ton heure de la journée préférée. 4 heures. L'avenir, c'est demain, après-demain ou aujourd'hui? C'est maintenant. Quel est ton comique préféré? Bourville. Et ton film préféré? Barry Lyndon. Pour toi, la femme idéale? Celle-là. Et la qualité essentielle chez l'homme ou chez la femme? C'est pas être trop con, c'est tout. Bon, je te remercie. Je voulais savoir une dernière question. Est-ce que ça te gêne que je t'ai posé 13 questions? Non, parce que je suis... c'est un très très bon chiffre et je suis très superstitieux et 13 fois superstitieux. Eh bien alors, on te souhaite beaucoup de chance. Alain Turban, Mystique. Alors Alain, Mystique, c'est aussi, ou surtout les tarots, les échecs, la boule de verre, c'est un petit peu tout ça. Oui, c'est ça, c'est un petit peu l'échec, c'est un petit peu... Oui, c'est le... Tout ce qui se passe dans le futur et les étoiles mystiques, les églises. C'est l'avenir, quoi. C'est plein de choses. C'est la franc-maçonnerie, c'est plein de choses. Alors, les Templiers aussi. Ah, d'accord. Alors, c'est aussi les signes zodiacaux. Alors, on va faire un petit jeu pour tout le monde. Je crois qu'il y en a 12. Gagné. Et on va essayer de les passer les 12 en revue. Écoutez bien. Ils vont être contents. Et puis, tu vas dire donc pour chacun d'un de ces signes ce que tu penses, le mot qui correspond. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. On est parti avec le premier, le bélier. Oh ben simplement le bélier, c'est pour enfoncer les portes ouvertes, non? Le taureau. Ça sent la sueur et le sang, moi j'aime pas tellement. Les gémeaux. J'ai un mot à dire, gémeaux, c'est bien, double. Le cancer. Un petit crabe. Le lion. Ah j'aime bien, ça sent bon. La vierge. Il y en a plus beaucoup. La balance. C'est parfois la justice, mais pas toujours. Le scorpion. Il finit toujours par se piquer derrière la tête, hein, je veux dire. Il s'assassine. Oui, un petit peu comme ça, un peu destructeur. Le sagittaire. Je suis sagittaire et ascendant sagittaire, voilà. Ça veut tout dire. Le capricorne. C'est le centaure, le sagittaire. C'est moitié cheval, moitié homme. Les pieds au sol et on vise dans les étoiles. Les étoiles, oui. C'est tout un programme. Hein. Le capricorne. Capricorne, une bête à corne. Le Verseau. C'est très bien, c'est l'air du Verseau, on rentre dans l'air du Verseau, c'est très très bien. On rentre dans l'air du Verseau? Oui. On va s'en verser un petit verre après, de toute façon, on va s'en verser un petit verre après. Oui, d'accord. Les poissons, pour terminer? C'est bien, ils brillent, j'aime bien quand ça brille. Voilà, merci Alain, on se retrouve plus tard, et puis je te souhaite beaucoup de succès avec Mystique. Merci.